Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 41e épisode de notre série d'Ex-Eye avec le roi Turold Ier, peut-être futur empereur, qui sait? Je pense qu'on n'est pas très très loin. Ça devrait être jouable. Bon, d'ici là, il faut qu'il me fasse un enfant aussi, hein, ce serait assez bien. Ça va, l'intérêt de famille aussi, elle veut préparer la succession. Je ne sais pas pourquoi moi je peux pas préparer la succession, je trouve ça un peu étrange. Mais bon, je n'ai pas d'explication, c'est pas grave. On va ouvrir les portes du château. Ah bah voilà, maintenant on peut. Ah maintenant on peut construire un grand ouvrage, c'est cool ça. Hop. Ça c'est fait. Du coup au niveau des troupes, j'ai sorti des nouvelles troupes pour aller m'occuper de ça. On continue ça. On continue tous nos conflits, c'est reparti. Je suis désolé si l'épisode d'avant vous avez senti une petite baisse de motivation à un moment. Ce sera peut-être encore le cas, mais c'est vrai que ça devient très très compliqué à gérer tout ça. Tant pis, moi en plus je suis quelqu'un d'assez, vous l'avez peut-être vu, assez organisé, assez méticuleux. Donc quand on est poussé dans ces retranchements comme ça au bout d'un moment, bah c'est un peu perturbant. On n'aime pas trop, mais c'est pas grave, là j'ai pris le parti de laisser faire, ça viendra comme ça viendra. C'est pas grave. Hop, je vais juste poser là. Voilà, les bateaux sont là, on embarque, on va là. Paf, ici. Et ici on va là. Et puis on va se regrouper tout ce petit monde. Hop, 99% ici. Ça va passer à 100 dans pas longtemps. Enfin, du moins je le pensais. On va attendre un peu, voilà, ils ont verrouillé, on va leur taper dessus. Ça y est, Étiennette est enceinte. Comme quoi on peut avoir un prénom de merde et... Non, je plaisante. Alors, première guerre terminée. Voilà, ça c'est bon. Ma tante, l'usurpatrice, elle a le duché de Munster. Deux jours c'est ça. Aujourd'hui c'est ça. Très bien. Ouais, sauf que ça, ça peut pas lui appartenir. Et ça, ça appartient. Mais vraiment, il a tout ce mec. Hein. C'est incroyable. Hein. Eh, mais mon objectif prochain, ça va être. Il faut que je défasse ce mec là. Hein. Je fasse de l'espionnage, je sais pas quoi, mais je trouve quelque chose à faire contre lui. C'est une catastrophe, hein. J'ai bien la merde chez moi. Déclaration. Ouais. Attendez, je regarde un petit peu. Héritière, trop de duchés possédés. J'ai quoi comme duché? Majorque, Cambrie. Ah oui, c'est vrai que j'ai cette merde moi. Tiens toi. Voilà, te voilà maintenant duchesse. Ça au paradis. ...100% exécuté, oui, oui, hop. Et on est à 99% ici. Et il va être temps de passer à 100. Accélère un petit coup. Pourquoi 99 et... Le score est plus fait car moins de 36 mois se sont écoulés et je n'ai pas remporté de bataille majeure. Ah bah ok hein, si tu veux, mais très bien, je savais pas. On peut devenir, on a 45% de chance de devenir gourmand, sinon on devient tempéré. Ça fait quoi tempéré, hein? Tendance plus 2. On va tenter de devenir tempéré plutôt. Parfait, voilà. Faut toujours gagner quelques points. Bon. On va plus qu'à avoir à attendre, hein, parce que là, honnêtement, je sais plus quoi faire. Hein.
Je veux bien essayer d'aller l'affronter sur ses territoires, le pape, mais je sais pas s'il lui reste des troupes, hein. La Laconie a été convertie, ils ont enfin entendu Dieu. Alors il me propose ça, mais si j'appuie les exigences... Oui bah c'est bon, en fait. Accepté. Et Penthièvre est revenu chez nous. Hurrah! Ça c'est la bonne nouvelle. Et du coup on va créer le duché de Penthièvre. Ouais bah faut que je crée des titres en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse. Ça me donne beaucoup de prestige ça. Voilà, j'ai créé le royaume d'Aquitaine. Je vais créer le duché de Bourbon. Je vais donner à quelqu'un. Tiens, toi tu viendras duchesse de Bourbon. Je commence à avoir trop de vassaux par contre. Mais bon, tant pis, hein. Mais au moins. Au moins on va pouvoir le faire comme ça. Recréer le royaume de Valence. On va le faire. Allez hop, on le recrée. On va recréer le duché du Berry. On va lui donner à lui. Quelle lesbienne saphique. Vu comme ça. C'est un peu morose, la grossesse cause un déséquilibre. On va faire en sorte de la protéger. Et on va ranger toutes les armées. C'est un trépassé. Bien. Et voilà. Je crois que c'est pas mal hein, quand même là. Si vous remarquez bien, ça commence à avoir vraiment de la gueule. Hein. On a une menace contre nous, donc on va pas faire plus. Maréchal, le comte de le duc de Bretagne, on va prendre le duc de Bretagne. Ça alors, on complote pour me tuer. On va se cacher. Et du coup, on a un domaine personnel trop vaste. Bah oui, forcément. Appeler Agnès plutôt. Ma sœur avec lui refusée. Agnès devrait être baptisée dès que possible afin que ça passe au paradis sans assurer. On va la faire baptiser par quelqu'un de l'église ou proche. La nouvelle de la grandiose cérémonie que je prépare pour le baptême s'est répandue plus ambitieuse, c'est parce qu'il pourrait être choisi comme parrain ou marraine. Prendre. Sœur, non. Comte d'Evreux, non, on va prendre notre sœur. Voilà, c'est fait. Comme une tradition, ma femme a reçu ses relevailles après s'être rétablie et purifiée de la récente grossesse. Malheureusement, son mari ne s'est pas amélioré pendant la Sainte Communion.
Ouais, on n'est pas très apprécié hein, malheureusement. Puis en plus, on n'a pas eu d'enfance, qu'on aurait eu au moins héritier au lieu d'héritière. Sale rumeur pendant 5 ans. Il y en a qui nous aiment à moins 100, hein, de toute façon, ça on peut pas y faire grand chose. Hein. On va attendre un peu parce qu'il y a bon la préparation. Titre de seigneur de jour détruit. Ouais, j'aurais pas dû le faire tout ça. Ça m'a pas aidé. Hein. J'ai trop de duchés possédés. J'ai un domaine trop vaste en plus. Ouais, mais ça c'est parce que je suis en. Bah attendez, la baronnie des temples. Mais j'en veux pas de ce truc là. Voilà, déjà. Comme ça on a plus ce truc là. Et le duché de Majorque. Bah c'est toujours entre elle et. Et lui. Elle m'aime pas, lui m'aime pas. Enfin, j'ai personne qui m'aime là-dedans. Et on va créer le duché d'Auvergne. Parce que pourquoi pas, hein, j'ai envie de dire. J'ai du chessel. Et bah toi, tu seras le duc d'Auvergne. Le conseil ne veut pas. Ah bah non, pas chier. Un jour, alors qu'on passait près d'un monastère, j'achèterai cette tableau. On va emprunter 300 aux marchands juifs et on va fabriquer notre empire. Voilà, ça y est, c'est fait. Je suis pas sûr, je sais pas s'ils vont apprécier, hein, mais. Empire de Normandie, en décompte. Ça y est, c'est fait. Alors, je sais pas comment ça marche parce que si je donne des titres un peu partout, enfin si je délègue un peu pour n'avoir que des rois sous ma coupe, c'est la fameuse, je pense que c'est la fameuse vice-royauté. Par contre, il faut que je monte la majesté, je pense que c'est pas pour tout de suite. Hein. Ouais, non. Malheureusement. Il va falloir que je fasse les progrès culturels et sérieusement. Hein. Je vais sortir de ma. Je vais arrêter de sortir de ma cachette pour voir. Succession primogéniture et cognatique. Ok, parfait. Comment ça marche en attendant dans ce cas-là, parce que le Saint-Empire romain, ouais, il n'y a aucun royaume, hein, on est d'accord, parce que si jamais il y a des royaumes, ouais, donc là, faut vraiment que je fasse la majesté. Sauf que pour faire ça, c'est les progrès culturels. Vice-royauté de Rouen Royal. C'est où ça? On autorise la création de vice-royauté à partir de royaumes. Vice-royauté à partir de royaumes. J'ai jamais fait ça. Les empereurs peuvent donner des royaumes des duchés à leurs vassaux en tant que vice-royauté. Ces concessions ne sont pas héréditaires et reviennent à l'empereur à la mort du vice-roi. Une manière bien commode de ne pas dépasser notre limite de vassaux. Hmm. C'est intéressant, j'ai jamais géré ça. Hein, donc, Alors quelle différence entre ça et l'administration impériale
promulgue vice-royauté de rang ducal. Donc là, on est quoi ? Vice-royauté de rang royal. Sont des vice-royautés à partir de duché et de royaume. Bah, faudrait que je vote ça en fait. Mais alors, pour voter ça, on a pas mal de factions contre nous, mais ça on peut pas y faire grand chose. Ouais, il faudrait qu'à mon conseil, j'ai que des gens qui m'aiment bien quoi. Ce qui est pas trop le cas. Genre, mon chancelier là, il m'aime pas. Faut que je me débarrasse de lui. Pas forcément trop de copains, hein, mais qu'est-ce qu'on, qui sait qu'on pourrait se faire en pote? De Gloucester. On va essayer, voir. On peut nommer un autre conseiller, mais alors, quelqu'un qui nous aime bien, c'est compliqué. L'empereur. Oh la classe, hein, quand même. Hein. Putain, j'aurais pas cru arriver à faire ça. Hein. Bah c'est aussi grâce à vous, hein, parce que sans certains de vos commentaires, etc., je pense que j'y serais pas arrivé, hein, donc un grand merci. C'était un grand plaisir, franchement. Chercher un forgeron, on pose vacant conseil, je le sais, je suis une menace. Très bien. Je referais bien des escortes, moi. Parce que j'en ai plus. Alors, faudrait que je rembourse les juifs un jour. Hein. Cependant, un conseil d'habitat s'y opposer qui pourrait le faire. Le duc de Poitou, je pourrais l'emprisonner. Par contre, c'est risqué, je pense. Est-ce qu'on peut d'abord lever une armée Ouais, je verrai ça plus tard. Oh là là, non, mais le nombre d'événements, quoi. Pff. Petit cadeau parce que ça coûte cher. Il a apprécié, c'est déjà pas mal. On a énormément de trucs contre nous quand même. Trop de duchés possédés. Bon, voyons voir tout ça là. Voilà. Effectivement, j'en ai rien à foutre de ça. Même le comté de Paris. Duché de Paris. Il est quoi lui ? Accordé un titre foncier. Comté de Paris. Voilà. Tiens. Rien à foutre. Duché de Penthièvre. Ah non, mais c'est pour toi ça. Pourquoi j'ai gardé ça? Moi je m'emmerde avec des conneries. Hop, voilà, c'est tout à fait mérité que ce soit toi. Parfait. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Normandie, je le garde. Le duché de Majorque, bah c'est toujours eux qui me cassent les couilles là. Elle, jamais elle crève. Minerque aussi, Rouergue.
602% de chance qu'il meure, lui. Eh ben allez. Ah bah, ça se passe là-bas en plus. Ça t'a très passé. Ça, je n'aurai plus affaire à elle directement et ça me va parfaitement bien. Ah, une tempête. Non. Pas déconner non plus, on a mieux à faire que ça. On se cache. Ok. Mince, je voulais pas l'inviter tout de suite. J'ai l'impression que les malus sont de moins en moins importants. Pouvoir du conseil diminué, ouais, convoite le titre. Sale rumeur, héritière. Impératrice Étienne, c'est avant du rêve. Hein. On va aller terminer ces troupes là. Ça c'est réglé. Ça c'est mon. Ouais, ça c'est bon. C'est. Comment on appelle ça? C'est mon escorte qui est en train de se reformer. On va la refaire petit à petit l'escorte. Je fasse un banquet quand ce sera le moment, si j'y pense. Alors, tiens, on a des gens qui nous aiment bien là-dedans. La duchesse de Cambry, elle nous aime bien. La comtesse de Rouen nous aime bien. Hop, on va la recruter. Qu'est-ce que ça commence à donner au niveau des votes? Ah oui, je suis au cours d'une régence, c'est vrai. Notre cachette. Partisans, opposants. Très bien, on en a 4 qui sont contre. C'est pas grave, c'est juste le temps de trouver qui va sauter. Conseiller, le chapelain, l'intendant. Le maréchal. Voilà.
Normalement, c'est bon là. On va voir, hein, je teste. Hein. Là, je suis en plus. Je suis en train de dire que je suis en train de faire une connerie et je suis désolé. Sinon, on teste. On est là pour ça. Donc, j'ai trop de vassaux, ça d'accord. Mais par contre, si j'ai bien compris, je peux prendre quelqu'un d'ici. Concéder une vice-royauté, cela améliore fortement son opinion lorsque le personnage meurt, le titre vous revient. Donc si je lui donne le royaume de Badajoz et que je récupère tous les titres, j'espère que je fais pas de conneries, c'est la vice-reine de ça. Allez, je suis forcément héritier et ça veut dire que toutes les personnes qui sont en dessous... Oh, de toute façon, maintenant je vais faire la révolution, petit à petit... Ça pareil, c'est le royaume de... Qu'est-ce que c'est, ça appartient au royaume de Valence. De Jure, c'est tout ça. Bon bah là... Aujourd'hui c'est ça. Soustraire un vassal. Comtesse de Berry, comtesse d'Almansa. Le stage de Révol a refusé de révoquer, voilà, au moins il sait bien, elle va gérer un peu toute seule dans son coin. Ah, ok, donc il a bien accepté. De toute façon, maintenant je suis tellement puissant qu'on va pouvoir petit à petit faire des propositions comme ça. Attends. Dépends de moi pour ce titre-là, toi, maintenant. Non, ça je vais pas lui révoquer. Hop, duché, royaume de Valence. Je te jure, c'est ça. Aujourd'hui, c'est ça. D'accord. Donc, ça. Il n'est pas censé y être. Ça, là, pardon. C'est compliqué hein, quand les personnes ils ont plusieurs titres. Hein. C'est le duché d'Aragon. Je ne peux pas usurper. Très bien. Qui appartient au royaume d'Aragon. Je ne peux pas usurper non plus. Quoi qu'il en soit. Toi, t'as tout ça, et ben allez. Royaume de Valence, inclure tous les titres. Lorsqu'il mourra, le titre vous reviendra. Vassaux inclus. Hop. Voir, tiens lui, voilà, en tant que duc il revient à lui, on est d'accord. Et lui en tant que, voilà, toi tu viens là, ah ouais, ça devrait, je pense que c'est une bonne idée, je crois que c'était Ilona qui m'avait proposé, c'était Ilona, parce que c'est Ilona ton pseudo, je suis un peu fatigué. Désolé si c'est pas Ilona, je sais plus ton pseudo, mais tu m'avais proposé ça, effectivement je connaissais pas et c'est assez intéressant. Tout comme le royaume d'Irlande, hein, je vais le donner à quelqu'un. Toi t'es quoi? Quelqu'un qui a déjà des titres de duc là-dedans. De West Connacht. Non, duc de Connacht, ouais. Duc de Warwick. Ah ouais, non, c'est ta femme qui est duchesse de Warwick. Une vice-royauté, royaume d'Irlande, en plus tout. Voilà. Royaume de Normandie, je garde. Royaume de France, je garde. Royaume d'Angleterre, je garde. Royaume de Bretagne. De jure, c'est ça. Aujourd'hui, c'est ça. Très bien. Toi, dépend de lui. Donc, non. Moi, je vais demander de soustraire le vassal. C'est bien, parce que ça me fait des petits malus, mais par contre maintenant ils acceptent. Ils font plus trop les kikés. Hein.
permet de faire des trucs un peu mieux. Donc duché de Bretagne, deux jours, c'est ça. Ok, donc toi, transférer un vassal. Voilà. Duché de Penthièvre, impeccable. Comté de Rennes, c'est Haute-Bretagne. Deux jours, c'est ça, c'est ça. Nickel. Et toi, t'es duc de Bretagne. Ok, donc toi, crée une mission invitée, le royaume de Bretagne. On perd tous les titres. Voilà, c'est pas mal ça. Ça va un peu me soulager de quelques trucs. Puis c'est au vice-roi. Après, ça fait des personnes puissantes, hein, donc faut potentiellement les inviter, mais. Vice-reine. Vice-reine d'Irlande. Très bonne personnage religieuse, mais non. On va la réinviter, voilà. Ah ouais, c'est vraiment sympa. Hein. Enfin, j'aime bien gérer ce truc-là. Hein. Ça me fait tellement du bien de voir que... Mon dieu. Et ça reste à moi. Alors, le royaume d'Aquitaine, aujourd'hui, c'est ça. De jure, c'est ça. Oh la vache. Donc, elle, le Berry. De jure, ça appartient au duché du Berry. Donc, toi... Je te transfère le vassalage d'elle. Voilà. Mais il y en aurait tellement d'autres à faire encore. Franchement, c'est tellement le bordel. Enfin, là, je pourrais passer des heures à faire ça, quoi. Enfin, je crois qu'après, là, je vais pouvoir faire ça un peu plus en off, déjà. Je vais pouvoir faire ça un peu plus en off. Ça va être très bien pour vous. Ça va vous soulager de voir ça, de pas voir tout ça. Là, de jure, c'est ça. Aujourd'hui, c'est ça. Du Godon d'Auvergne. Et bah, c'est toi qui vas hériter en vice-royauté du royaume d'Aquitaine. Alors, attendez, non, parce que d'abord, il faut qu'elle, ça, le transfert soit bon. Voilà. Donc, ce qui veut dire que maintenant, le royaume d'Aquitaine, normalement, c'est plus qu'un seul truc. Bah, non, pourquoi ? Ça, je pige pas par contre, parce que je vais donner à lui. Lui, c'est le Berry. De jure, c'est à l'Empire de Royaume de France. Ouais, c'est un peu le bordel, mais c'est pas grave. C'est un quand même. Waouh! Ben me voilà un peu soulagé quand même. Toujours autant de troupes. Hein. La vice-reine de Badajoz sur une alliance, ouais, très bien. Alors faut que je fasse gaffe quand même par contre, parce que j'imagine qu'elle se défend contre Stache en guerre de tyrannie. Père d'Agnès en tirant mon bras suppliant de jouer avec elle, son dernier jouet. Négligez votre responsabilité, pas maintenant mon enfant, on deviendra cruel. Enfin, nous on a 20% de chance de devenir cruel. Bon, on va tenter de devenir plutôt gentil. Voilà. On est plutôt sympa. La salle, le duché de Tanger. Ouais, et bah c'est pas simple à gérer tout ça quand même, hein. Mais bon. Le dossier de Lothienne. Bien, cherche à revendiquer le comté d'Oxford. Complot contre nous. Avec ma femme.
Costa a été trouvé, qu'on la brûle, je m'en fous. Mais ce que je comprends pas, c'est que lui, il est duc de Badajoz. Ouais, très bien. C'est quoi sa guerre? Contre la tyrannie. Alors, elle a essayé en vain d'emprisonner, ce qui a déclenché un conflit armé. Y aller. On est capitulé. Ouais. Elle a 5000 troupes et lui il en a combien? Au moins elle perd. Bah, elle va gagner quand même. Oui, je pense qu'elle va gagner. Delgrave, Arnaud de Poitou. Ouais, par contre, je veux pas avoir tout le temps les infos, hein. Je sais pas comment ça se passe, moi. Vous vous débrouillez. On fait un joli empire, hein, tout ça. Hein. Oh, on a même ça, tiens. Très bien. On a des trucs que je savais même pas qu'on avait. On a énormément de troupes de la part des vassaux, ça, ça fait très plaisir. On va avoir un peu moins de factions, on est un peu mieux apprécié. Je pense que le duc de Poitou fera un excellent commandant militaire. Je suis sûr que la décision c'est. Je suis d'accord aussi. Ouais, ça fait un peu cher hein, de lui envoyer un cadeau. Hein. Irritante, essayer de l'influencer. J'ai confiance en pronostic. Ça va bientôt passer. Vous libérez de pires affections, Balvin vous a suggéré de passer plus de temps à prier. Ouais. Oui, il faut rembourser les juifs. Voilà. Pas un connard, malgré tout. La sorte commence à lancer derrière vos yeux, on a des migraines. Et comme supposition éclairée que vous êtes au premier stade de la dysenterie. Merde. C'est de faire des saignées. Oups. C'est un bon traitement. Cela dit, il serait bien qu'on puisse inviter notre femme à faire un ripaille à un moment ou un truc dans le genre. Seigneur, ah oui, elle est quoi? Elle est comtesse, elle. Le vice-roi Geoffrey de Valence prétend que la vice-reine tente actuellement de pourvoir ses vives hérésies. Oh merde! Faut toujours qu'ils se prennent la tête. Hein. Alors, en attendant. Oh putain, on a la grande férole. Et on voit qu'on propose un traitement. Risque varie en fonction de ses compétences. On va faire ça. Il a mis ses mains dans le seau qu'il vient d'apporter dans vos appartements. Il a sorti un petit poisson qui frétille de ses doigts. Ouvrez grand, vous dit-il avant de l'enfoncer dans votre bouche. Vous doutez pour ne pas vomir alors qu'il chatouille l'arrière de votre gorge. Aïe 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 aïe. Ah non, hein. Pas quelque chose qui me donne meilleure santé, ça que ça, plus un. Quel connard celui-là.
chevalier de Malte. Rechercher un traitement médical, ouais, ce serait une bonne chose. Parce qu'on peut pas changer de physicien. Le vice-roi de Bretagne et une pneumonie, ouais, ouais, non. Rechercher un traitement médical, par contre, oui. On va se fier à son savoir, ça se trouve, c'est une erreur de le faire une deuxième fois. Baldo nous assort face à un grand roi et allume des bougies, placez un cercle autour de vous. Nous avons besoin de contacter l'autre vous. Alors vous sourcillez, placez une main sur votre épaule, cela va vous changer. Ça nous augmente la santé, mais on devient gourmand, avare et envieux. Ouais, tous les traits opposés, quoi. Transformation mystique. La femme est enceinte. Ouais. Des guerres en interne, hein, du coup les vice-rois, j'espère qu'ils savent ce qu'ils font, parce que je surveille pas moi. Qu'est-ce qu'il fait comme guerre? Lui, il est attaquant dans la guerre du vice-roi de Bretagne pour obtenir Léon pour le... contre le comte de Léon. Ah bah merde, non, mais si j'avais su, je l'aurais donné moi. Est-ce que je peux lui donner maintenant? On est d'accord, hein, mince, je me suis planté. Oui, non, mais arrête ta guerre. Ça va, ils essayent de faire les bonnes choses quand même. On retourne une modeste somme d'argent. Allez, allez, terminé. Hop. Transférer de vasselage. Ouais, bah c'est bon. Je comprends pas ce qu'il a voulu faire. Il a voulu le récupérer. J'aurais peut-être dû le laisser faire en fait. Wow, bon, je crois que je commence à fatiguer un petit peu. Je fais plus trop gaffe. Donc merci à tous de m'avoir suivi. Et puis voilà, on va s'arrêter là pour cette semaine. Voilà, c'est pas mal, hein, ça fait une bonne petite semaine encore, hein, on a encore bien bien avancé. Je vais essayer de voir en off, quitte à avancer peut-être un peu la partie, voir ce que je peux pas, si je peux pas faire quelque chose un peu pour arranger, mais bon, j'aime pas trop parce qu'il peut se passer plein de choses et après c'est la merde. Ouais, donc c'est un petit peu tendu quoi. Je crois qu'un de ces quatre, lui, on va le libérer et... Et derrière, on le rattaquera pour prendre le territoire, parce que bon, maintenant ça m'intéresse plus de l'avoir comme. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est que tout soit de notre couleur. Bref, merci à tous de m'avoir suivi pour cette semaine. Je vous dis à très très bientôt la semaine prochaine pour continuer encore la série. J'aimerais bien encore la continuer. Tant que vous êtes fidèles, que vous suivez, que vous aimez bien. Il y a toujours des choses à faire. À un moment, il faudra peut-être s'attaquer au Saint-Empire. Hein. Deux empires qui s'éclatent, ça pourrait être très très classe. Hein. Mais avant ça, voilà, j'aimerais bien que tout soit plus propre. On va voir ce qu'on peut faire, on va voir ce qu'on peut faire. En tout cas, merci à toutes de m'avoir suivi, à toutes et à tous, pardon, de m'avoir suivi, et je vous dis à très très vite pour la semaine prochaine. Bye bye, portez-vous bien.